Comment faire un montage vidéo gratuitement avec Shotcut? Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je m'appelle Vincent, je suis dessinateur projeteur, donc principalement sur AutoCAD, mais pas que. Et je fais aussi des vidéos à côté pour partager mes astuces. Donc aujourd'hui, on parle logiciel de montage vidéo, puisque moi j'aime bien faire des montages justement. Et je vais vous parler d'un outil gratuit que j'utilise, qui s'appelle bien sûr Shotcut. Donc Shotcut est gratuit, vous pouvez aller sur votre navigateur internet, vous tapez télécharger Shotcut et très facilement vous parviendrez à télécharger cet outil qui s'installe assez rapidement et qui se présente sous cette forme. Donc vous voyez, ce Shotcut il est ici, donc là je l'ai ouvert. Alors comment ça se présente concrètement? Comme tous les logiciels en général, on peut faire nouveau projet. Donc là c'est déjà le cas. Ici on a une liste de lectures. Donc pour lire par exemple des vidéos ou des images, on a des filtres, ça c'est pour les effets spéciaux on va dire. On a tout ce qui est propriétés, donc on verra qu'on peut régler des propriétés d'images ou de vidéos. Et on a la fonction, bien sûr, à la fin d'exportation pour pouvoir exporter la vidéo sous un format, je ne sais pas, par exemple pour YouTube ou autre. Voilà, il y a plein de formats, vous le voyez ici. Donc, la première chose que je fais, moi, en général, c'est que je vais ici. Donc, ici, on peut rajouter des... ici, vous voyez, on peut rajouter des pistes audio. Par exemple, si vous voulez mettre d'abord du son, vous pouvez... On peut ajouter une piste vidéo, donc si on veut ajouter de la vidéo ou des images, ça marche aussi. Donc par exemple, je vais cliquer ici, et puis là, je vais marquer, peu importe, je vais marquer, je vais laisser V1. Ok, ça, vous mettez bien ce que vous voulez, V comme vidéo, et puis si on veut rajouter quelque chose, on vient ici, timeline, je vais mettre une piste audio. Donc là, le A1, ça sera pour l'audio. Vous voyez ici, vous pourrez faire glisser directement de l'audio. Alors comment ça marche généralement? Moi, j'ouvre mon navigateur, enfin votre Windows, ce que vous voulez. Et là, par exemple, j'ai quelque chose. Là, c'est une vidéo. Alors je vais venir chercher ça. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça et je vais le faire glisser directement ici. Donc vous voyez, je peux le déplacer là, sur la timeline. Je peux le mettre ici, mais bon, c'est du son. Donc, je vais le laisser en vidéo. Et puis, je peux faire pareil avec un fichier son, c'est-à-dire que le son, je vais le faire glisser là. Et je peux régler directement la séquence que je veux. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer que... Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut déjà, vous voyez, avec les poignées vertes, on peut réduire. Donc, par exemple, là, je peux couper directement, et là vous voyez ça démarre pas au même point, donc je peux dézoomer en faisant contrôle et la molette vers moi, et là je dézoome. Donc vous voyez ma piste qui dure environ 7 minutes 8 minutes voilà, par ici là, voilà. Donc ici je peux réduire et commencer à enlever tout ça, et là vous voyez je suis pas au même point. J'attaque directement là. Donc ça, je peux le ramener évidemment au début. Donc si je lance maintenant ma vidéo, je clique à partir de là, je fais espace et ma vidéo se lance. Donc vous voyez là, ma vidéo est en train de tourner, je vois les réglages, j'expliquais un petit peu. Là, un tutoriel en parallèle. Donc je fais espace pour interrompre la lecture. Vous trouvez les options de lecture également ici. On peut régler du son. Donc ici le volume général, on peut régler donc lecture, avance lente, avance rapide, point suivant carrément. On peut zoomer, mettre des grilles, voilà. Bon, ça je vous en servais pas forcément souvent, peu importe. Et donc ensuite il y a cette notion donc d'effet. Alors déjà la première chose qu'on peut dire c'est que là on peut couper ici. Et on peut réduire aussi à la fin. Si c'est trop long, ce clip, je peux venir, et vous voyez, il est rouge, c'est-à-dire que ça, je le coupe, donc je réduis. Et là, ça dure plus que 5 minutes, voilà, au lieu des 8 minutes. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, quand on veut faire une coupure, par exemple, eh bien, je me mets là, à 2 minutes 20, je fais découper, je clique là. Je peux aussi venir là et dire découper.
Donc je découpe cette partie, je clique ici, je fais supre, et elle est supprimée. Maintenant, je clique ici, je maintiens mon clic, et je le rapproche automatiquement. Il y aura une transition entre les deux. Donc je vais lire pour vous montrer. Je lis. Attention, on va arriver à la coupure. Voilà. Donc vous voyez, là, il y a eu une coupure nette. Mais on peut aussi, je vais vous montrer ça. Si on maintient et qu'on fait glisser, vous voyez ce qui se passe. Hop, là, il y a une sorte de coupure avec transition. Vous voyez? Donc là, il y a un fondu très très long à mon goût d'ailleurs. J'ai pas fait attention. Vous voyez, le fondu, il est trop trop long. Donc je peux revenir en arrière. Et cette fois-ci, je zoome avec toujours mon contrôle molette et je le mets ici. Voilà, donc là, on va voir que le fondu, normalement, est plus sympa. Voilà, vous avez vu le fondu? Donc, facile à faire, non? Donc ça, c'est une petite astuce sur Shotcut. C'est vraiment facile de faire des fondus, donc des transitions qui s'enchaînent, des coupures. Vous avez vu, c'est pas bien compliqué. On clique, on sélectionne, on vient cliquer découper. Et puis voilà, quoi. On découpe tout ce qu'on veut. Pour supprimer, on sélectionne, on fait le supre. Et voilà. Donc vraiment très très simple. Ensuite, la notion d'effet. Eh bien effectivement, par exemple, si là on veut mettre un effet, on va cliquer ici. Et on a là des effets vidéo. Donc là, il y a les favoris. Hein. Moi, j'ai mes favoris ici. Sinon, là, vous cliquez, vous avez tous les effets. Donc, il y en a beaucoup. Audio, pareil. Donc, ça concerne que pour couper le son. Voilà, que l'audio. Hein. Il y a aussi time. Bon, ça va être plus vidéo, hein, là, pour les images et les vidéos, forcément. Donc, vous voyez, on peut faire vieux film. Hop, par exemple. Et donc, si je rejoue ici, vous allez voir, je fais... Eh bien, ça fait un léger effet... vieux film qu'on peut accentuer, vous voyez, en cliquant ici, vous voyez, je peux jouer sur les tons, je peux jouer là sur, bon, j'en ai pris un au hasard, mais vous voyez, vous pouvez changer un petit peu les couleurs, c'est vraiment très très bien fait et très simple à utiliser, d'autant que vous pouvez mettre autant d'effets que vous le souhaitez. Donc, très simple à utiliser. On peut rajouter, je sais pas moi, par exemple, transformer. Pourquoi pas, je sais pas ce que... Si on met embardé, par exemple, au hasard, hein, on va mettre hauteur. Voilà, vous voyez, on peut faire toutes sortes d'effets comme ça. C'est assez sympa. Donc bon, là, ça n'a pas vraiment d'intérêt hein, dans ma vidéo, vous voyez. Mais je sais pas, ça, vous voyez, ça peut arriver que vous vouliez... faire un petit effet artistique et faire ce genre de rendu. Bon, là, c'est un peu... voilà. Très déformé pour un tutoriel sur un logiciel, bien sûr. Mais ça vous donne un exemple. Donc, pareil, ici, je peux très bien... Donc, là, c'était valable pour cette séquence. Si je veux faire un effet sur cette séquence ou un bout, pareil, je peux couper ici. Donc, je vais couper de là à là. Ici, je vais cliquer ce bout ici et je vais faire un filtre, par exemple, je ne sais pas moi, voilà, comme ça, histoire de donner un petit effet sympa dans ma vidéo, vous voyez. J'ai fait en plus un petit zoom, bon, voilà, vous voyez, ça peut être très sympa. Je joue, je fais espace et là, au moment, à un moment donné, eh bien, ça donne un petit peu de volume. Voilà. Je fais toujours... voilà, là, ça redevient normal. Donc, vous voyez, toutes sortes de choses qu'il faut prendre en main. Je vous rassure, je ne les utilise pas tous. mais vous voyez, il y en a un bon paquet. Il y en a beaucoup, par exemple. Vous pouvez changer le contraste. Vous pouvez jouer sur les couleurs. Vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses différentes. Donc ça, c'est assez intéressant. À vous d'utiliser les effets qui vont bien et à vous de faire les vidéos qui vous conviennent en mélangeant diverses choses, en imbriquant diverses séquences, images, etc. Donc voilà, c'est vraiment très très sympa à utiliser, d'autant plus qu'on peut rajouter, vous voyez, à tout moment, on peut rajouter une piste vidéo. Et je peux faire des copier-coller. Donc là, je copie
je vais copier là. Alors là, je vais l'agrandir. Voilà. Donc j'ai fait, en fait, vous voyez une copie ici. Hein. Ça veut dire que là, j'ai un peu la même chose. Si je veux faire un effet, vous voyez, je vais faire un effet, comment ça s'appelle ? Moi, je vais utiliser taille et position. Voilà, comme ça, je peux réduire ce bout ici. Vous voyez ? Donc là, j'ai réduit ce bout-là. Et je peux faire pareil ici, c'est-à-dire que je vais réduire donc, taille et position ici. Je vais réduire ce bout ici. Pourquoi ? Parce que je m'amuse là, j'ai deux vidéos qui sont les mêmes. Mais du coup, vous aurez compris, je peux changer les effets ici, par exemple. Voilà, j'enlève les effets là. Comme ça, ici, j'ai une lecture normale et là, une lecture déformée. Donc, vous pouvez mettre des images, vous pouvez mettre des vidéos. Ça, c'est l'avantage de Shotcut. À tout moment, vous pouvez mettre plusieurs images, plusieurs vidéos qui se superposent, des textes, etc. Voilà, donc vous avez aussi... bien sûr, la possibilité de cliquer et d'insérer du texte, texte simple par exemple, voyez. Donc là, bah, il me met un gros bout de texte là. C'est un time code, donc on peut mettre plutôt test, voilà, ou texte. Voilà, ce texte qu'on peut réduire très facilement et déplacer avec ça. Donc vous voyez, maintenant, quand je vais jouer ma vidéo, bah, ça va être très sympa. Je vais avoir ce texte qui apparaît. Et voilà, donc ça, c'est très très bien fait. Ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Shotcut. Pour terminer, bien sûr, on peut modifier chaque image, que ce soit l'audio ou... Voilà, on peut bidouiller un peu les formats d'image. Et enfin, on peut exporter au format voulu. Donc vous cliquez sur exporter, vous réglez ce que vous voulez et vous faites simplement exporter le fichier. Vous lui donnez un nom. Et puis l'exportation va se lancer ici automatiquement. Quand ça sera à 100%, vous pourrez utiliser votre fichier comme bon vous semble. Et ben voilà pour cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important pour ne rien louper. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, salut !